Dieu nous encourage énormément. Et vous êtes également nombreux à nous suivre depuis la Suisse. Et il y a des frères et sœurs, il y a un couple de Suisses qui étaient venus jusqu'à Stuttgart pour le programme que nous avons eu ce week-end, ce dimanche. Et on viendra également en Suisse, ne vous inquiétez pas, priez pour cela. Je sais que vous le faites déjà. Et on a reçu des mails, notamment un mail d'une personne qui vit en Suisse qui nous disait qu'elle est prête à louer un local afin que l'équipe de Paris aille faire un programme de réveil, organiser un programme. Donc nous avons hâte d'y être, effectivement. Et nous avons été retenus cette année ici à Paris pour, mes amis, finir le projet de la révision de la Bible. Et bientôt, nous allons, par la grâce de Dieu, beaucoup bouger pour crier ici et là que Yeshua revient. Voilà. Donc, pareil, nous avons, mes amis, plein d'autres projets que le Seigneur nous inspire. Et au fur et à mesure, nous allons vous en parler. Allô, on a quelqu'un en ligne? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. J'appelle de Mulhouse, je m'appelle De Mulhouse. et j'étais à la réunion de l'Archipel le dimanche dernier. D'accord. Et je vais vous rappeler, moi j'en suis là. Et j'ai une question, je fais un lien à la création du monde, que les fruits de Dieu planaient sur les eaux. Attends juste 2 secondes. Et est-ce qu'on peut, c'est possible, l'équipe technique, augmenter le son, le retour? Parce que je n'entends pas du tout, pas beaucoup. Merci. Oui frère, tu peux parler, si tu peux parler un peu plus fort, merci. Je m'appelle Cornelis, j'appelle de Mulhouse. Donc Ok. j'étais à la réunion de réveil à spectacle le dimanche dernier. D'accord. J'ai pas eu le temps de poser cette question. Et des fois, je fais le lien à la création du monde, que les fruits de Dieu planaient sur les eaux. Et je fais ce lien avec quand Dieu s'est fait homme, en tant que Jésus, et il marchait sur les eaux. Et j'aimerais avoir un peu d'explication sur ça. Quand le Seigneur a marché sur les eaux. Oui, et à la création du monde, il y a les fruits de Dieu qui se mouvaient sur les eaux. Et je fais Genèse un lien, chapitre j'arrive 1er. de faire un lien entre les deux. Oh non, il n'y a pas forcément de rapport entre les deux. Là, dans Genèse 1, et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux, comme la parole le dit. Mais quand le Seigneur. C'était parce que ben justement, le Père s'apprêtait à créer hein, la terre. Donc, et l'Esprit, bien sûr, était en attente que la parole soit bien sûr envoyée. Et mais là, alors que quand le Seigneur marchait sur les eaux, ça c'était un autre, c'est autre chose en fait. Hein. Donc là, c'est Jésus-Christ, homme, qui a marché sur les eaux. Et il n'était pas en train de se mouvoir, n'est-ce pas, au-dessus des eaux. Donc là, il a marché donc en tant qu'homme. Alors que dans Genèse 2, il est question de l'Esprit de Dieu. Donc c'est pas la même chose. Si je comprends bien, c'est l'esprit qui s'est manifesté en chair et qui a marché sur les eaux. En fait, Dieu s'est manifesté, la parole, Dieu a été manifesté en chair, effectivement, mais quand le Seigneur a marché sur les eaux, ce n'était pas l'Esprit qui a marché, c'était l'homme qui a marché, l'homme Jésus. Grâce au Saint-Esprit, bien sûr. Voilà, frère, bon courage. Gloire à Dieu. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez appeler, il n'y a pas de souci. Sinon, nous sommes dans 2 Chroniques, un passage que beaucoup connaissent. 2 Chroniques, chapitre 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Voilà un passage que beaucoup connaissent, un passage que nous avons appris, n'est-ce pas, dans les premiers mois de notre conversion, je me rappelle encore. Voilà, donc il y a une promesse que le Seigneur a faite aux Hébreux ici. Cette promesse avait, n'est-ce pas, était en rapport avec la restauration de la nation, n'est-ce pas, la guérison de la nation d'Israël. Vous savez, un pays peut être malade. Oui, une nation peut être malade. Et quand on voit l'état des nations actuellement, nous réalisons qu'elles sont malades.
Voyez, et il y a besoin de la guérison, il y a besoin de la restauration. La guérison ici signifie aussi la restauration, n'est-ce pas? Les nations, n'est-ce pas, ont besoin de la restauration. Et je crois que si Dieu permet, la semaine prochaine, on parlera des nations, n'est-ce pas, du temps des nations. Et voilà, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Pourquoi Élisée a vu le trône? Ah, Ézéchiel, d'accord. Ok, donc en fait, quand le Seigneur Jésus-Christ a dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, en fait, Ézéchiel n'a pas été au ciel physiquement. Il n'est pas parti au ciel physiquement. Il a vu le trône de Dieu dans l'esprit. Hein? Donc, étant à partir de l'endroit où il était, Dieu lui a ouvert les yeux et il a vu le trône de Dieu. Il a vu, n'est-ce pas, le ciel. Mais personne n'est monté au ciel avec son corps physique, son esprit et son âme. Et en fait, le Seigneur parle ici de, n'est-ce pas, du lieu très saint. Et la parole nous dit justement dans le livre de Hébreux au chapitre 10 et, que le chemin du lieu très saint ou de saint de saint était, n'est-ce pas, n'était pas encore manifesté, n'est-ce pas? Donc, donc personne n'avait accès au saint de saint dans le ciel. Donc c'est le lieu très saint comme dans le tabernacle terrestre. Et tu te rappelles, rappelle-toi dans Genèse chapitre 3, lorsque Adam a péché, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, il est dit que Dieu a mis devant l'arbre de vie deux chérubins, deux anges, avec deux épées flamboyantes pour empêcher Adam et Ève d'accéder à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie aussi nous parle bien sûr de Yeshua, nous parle aussi de la gloire de Dieu, de la vie éternelle. Donc c'est le saint de saint, la gloire de Dieu. Et à cause du péché d'Adam et Ève, l'accès à la présence de Dieu était, n'est-ce pas, interdit aux hommes. Et donc l'accès au saint de saint, au ciel, tout simplement. Et c'est pour cela que Jésus-Christ disait que personne n'était monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et après sa mort, n'est-ce pas, Yeshua nous dit la parole, Ephésiens 4 nous dit que Yeshua, après sa mort, après sa résurrection, lorsqu'il est monté au ciel, il est monté avec les captifs. Il est monté avec tous les croyants qui étaient morts, n'est-ce pas, en mettant leur confiance dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et Yeshua est monté avec eux au ciel, c'est-à-dire dans le paradis, là, dans la présence de Dieu. Donc, tant que Christ n'était pas encore, n'est-ce pas, mort, l'accès au ciel n'était pas du tout, n'est-ce pas, possible. Donc, c'est pour cela qu'il a dit cela. Bon courage. Voilà, donc nous sommes dans 2 Chroniques 7:14, comme on le partage. Hein, donc ce soir, c'est vraiment le partage. Hein, donc n'hésitez pas si vous voulez appeler donc, pour poser vos questions. Et Dieu veut guérir nos pays, mes amis. Nous croyons que ce réveil que le Seigneur est en train de susciter, ici et là, a pour but, n'est-ce pas, de guérir nos cœurs, de restaurer nos vies, de restaurer nos assemblées, de restaurer aussi les nations. Et mais je crois que cette restauration, bien sûr, se fera lors du retour, comme la parole le dit, hein, donc lors du retour visible du Mashiach. Mais nous croyons qu'avant ce retour glorieux, Dieu est capable de restaurer tout un pays en envoyant un puissant vent de réveil. C'est possible. On l'a vu dans la Bible avec, n'est-ce pas, l'histoire de Jonas à Ninive. On le voit avec Paul à Éphèse, n'est-ce pas, où la parole nous dit que toute la ville d'Éphèse, toute l'Asie mineure, n'est-ce pas, avait entendu parler de la parole de Dieu, de l'évangile.
Et on le voit, on l'a vu dans l'histoire de l'Église, des pays entiers qui étaient visités par le Seigneur. Et nous croyons, mes amis, que si réellement nous nous repentons de nos péchés, de nos fautes, de nos manquements, de la religiosité, eh bien, mes amis, si nous cherchons Dieu dans la prière, si nous prions le Seigneur, et la parole nous dit effectivement, Dieu va, n'est-ce pas, guérir nos nations, guérir nos quartiers, nos villes, nos cités, n'est-ce pas, nos résidences au nom d'Yeshua. Et rappelez-vous bien dans Ésaïe chapitre 40, Ézéchiel 47, n'est-ce pas, avant de prendre la personne qui est en ligne, je voudrais juste lire ce passage d'Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, la parole nous dit, et quand il est question ici, bien sûr, de l'eau, hein, l'eau qui sortait du temple, hein, dans Ézéchiel 47, et cette eau, nous dit la parole, était tellement pure que en se jetant dans la mer, n'est-ce pas, et la mer, c'est le monde, hein, donc en se jetant sur la mer, cette eau a assaini, n'est-ce pas, les eaux de la mer, nous dit la parole. Et on nous dit également qu'il y avait un arbre, n'est-ce pas, un arbre dans Genèse, dans Ézéchiel 47, au verset 12, et sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, n'est-ce pas? Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Voilà. Donc les feuilles de ces arbres seront utilisées pour comme un remède et donc pour guérir tout simplement. Et nous avons justement dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, n'est-ce pas? Apocalypse 22 au verset 2. Et qu'est-ce qu'on apprend? Eh ben Apocalypse 22, verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voilà, Dieu dit, je guérirai ton pays dans 2 Chroniques 7, 14, et on apprend dans Ézéchiel 47 et dans Apocalypse 22 que les feuilles de l'arbre de vie, l'arbre dont l'accès, n'est-ce pas, nous était interdit, eh bien, les feuilles de cet arbre-là, de l'arbre de vie, Yeshua, l'arbre de vie, ces feuilles nous sont utilisées pour guérir les nations. Or, les nations, c'est nous. Yeshua a dit dans Matthieu 25, Yeshua a dit dans Matthieu 28, mes amis, aux apôtres, notamment à nous autres, de faire de toutes les nations des disciples. Voyez, Dieu veut guérir nos nations. Dieu veut guérir nos vies. Dieu veut guérir nos cœurs malades. Dieu veut guérir nos corps physiques malades. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc, vous voyez, les feuilles de l'arbre de vie représentent en fait la vie de Christ. La vie de Christ. Le Seigneur a dit qu'il est la vigne et nous sommes des branches. Et Yeshua a des feuilles. Et ces feuilles sont utilisées pour nous guérir, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, Dieu peut se servir de vous. Oui, ma sœur, toi qui me suis ce soir. Oui, mon frère, toi qui es découragé. Oui, ma sœur, toi qui pleures. Dieu peut encore se servir de toi si tu as foi en lui pour apporter la guérison là où il y a, n'est-ce pas, des problèmes. Et nous croyons que notre Dieu n'a pas changé. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. J'ai une question. Dans la Bible, c'est marqué que dans la version Martin, c'est marqué « Je parle une première fois et une deuxième fois ». Et dans la Bible, Louis II, c'est marqué « Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ». Et je voudrais savoir c'est quoi la différence. Ok, quel âge as-tu ? 10 ans. 10 ans. Tu nous appelles depuis quelle ville ? Ok, que Dieu soit béni pour ton amour pour la vérité. À 10 ans, tu as déjà de très bonnes questions. Et il y a une forte différence dans la Bible de Lamartin. Et il est dit effectivement que Dieu parle une fois et une deuxième fois, n'est-ce pas? Et on ne prend pas garde. Voilà, en fait, alors que dans la Bible de Ségon,
Hein, dans Louis Segond, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En fait, Louis Segond a mal traduit ce verset, comme beaucoup d'autres versets malheureusement, de la Bible. Et ce n'est pas ce que l'hébreu dit dans ce passage. L'hébreu dit exactement comme la Martin, hein, comme Martin l'a dit, Dieu parle une fois et une deuxième fois et on ne prend pas garde. Parce que chez les Hébreux, n'est-ce pas? Donc dans la culture hébraïque, il y a la notion de la répétition des choses afin que les gens soient, n'est-ce pas, enseignés. Paul disait dans Philippiens, n'est-ce pas, dans Philippiens 3, je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses, hein, car cela est salutaire pour vous. Et Pierre, dans 2 Pierre, disait également qu'il prend soin, n'est-ce pas, il allait prendre soin pendant sa vie, n'est-ce pas, pendant tout au long de sa vie terrestre, de nous rappeler les choses que Dieu, que Yeshua, que Jésus-Christ nous a enseignées. Donc, chez les Hébreux, effectivement, il y a cette notion-là de rappeler les choses afin que les gens entendent bien. D'ailleurs, Dieu ne nous a-t-il pas créés avec 2 oreilles pour écouter une première fois et une deuxième fois? Voilà. Donc c'est comme ça que Dieu procède, effectivement. Et dans la version de la Bible que nous sommes en train de réviser, donc la BJC, la Bible de Jésus-Christ, nous avons, par la grâce de Dieu, restauré, traduit correctement ce passage, comme la Martin. Voilà, donc que Dieu soit béni en tout cas. Merci. Et donc voilà, frères et sœurs, c'est une très bonne question hein, que cette jeune sœur, hein, donc, que cet enfant a posée. Et rappelez-vous bien d'ailleurs dans Genèse 40, 41, quand, 40, 41, pardon, lorsque Pharaon va, n'est-ce pas, faire recevoir ces 2 songes prophétiques, et Joseph lui dira, si Pharaon a vu la chose se répéter une seconde fois, c'est que Dieu l'a arrêté, c'est que Dieu l'a voulu. Voilà. Donc Dieu parle souvent une fois et 2 fois pour nous avertir. Et d'ailleurs, Yeshua disait souvent, en vérité, voilà, que Dieu soit béni. Allô, bonsoir. Voilà, merci Seigneur pour cet engouement que les frères et sœurs ont, pour la vérité que vous aimez. Nous sommes beaucoup fortifiés par cela. Voilà, frères et sœurs, Dieu veut guérir nos nations. Allô, bonsoir. Ah, totalement, d'accord. Bonsoir. Oui. Voilà, c'est juste pour poser une question par rapport à la révision de la Bible hein, qui est en route. Hein, qui est... si on prend le passage du bon samaritain dans Luc 10, puisque nous sommes tous convaincus que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a aucun hasard, lui-même le dit, tout est parfait, tout est connu d'avance, tout est rêvé d'avance. Et dans Luc 10, quand Jésus-Christ donne l'exemple du bon samaritain, il parle de hasard, par hasard. Tel est tombé sur celui qui avait été agressé. C'est le par hasard que je veux savoir si vous avez trouvé, vous l'avez corrigé ou si c'est vraiment Jésus qui le dit. Est-ce que tu peux lire ce passage? Alors, Ah, Dieu. Oui. Ah oui. Est-ce que tu as la vue là? Est-ce que tu as la version de la Martin avec toi? Le passage du bon samaritain. Là, c'est Jean, hein, chapitre 4. C'est Jean chapitre 4, il y a Luc aussi qui. Bon, Jean chapitre 4. Donc on va prendre Jean chapitre. Ok, je comprends. L'histoire du bon samaritain, c'est ça? Du samaritain qui a soutenu ce monsieur qui a été frappé par des brigands? Ok, je vois. Voilà. Ok, je comprends, ouais, je comprends. Je vais te répondre, c'est bon? En fait, tout est connu d'avance, nous sommes d'accord, comme la parole le dit. Pour Dieu, rien, hein, il n'y a rien de nouveau. Ecclésiaste le dit également. Dieu sait toutes choses à l'avance. Mais est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est contredire la parole quand on dit que je me suis retrouvé à cet endroit tout à fait par hasard ou par inadvertance? Non, je ne crois pas que l'on contredise la parole en parlant ainsi. Et selon les hommes, bien sûr,
il y a des hasards selon les hommes, pour nous les hommes. Oui, ça je suis parfaitement convaincu. Non, mais c'est juste le mot. Comment? Juste le mot par hasard. Comment? Oui. Okay. J'ai pas entendu ce que tu dis. Oui, je disais que j'ai bien saisi. Mais c'est juste le mot par hasard. Je me suis dit, est-ce que c'est un mot qui est tombé par inadvertance dans ce passage-là, ou c'était dit exprès par Jésus lui-même, par le Seigneur? Oui, non, mais le problème, c'est comme c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il est venu en tant qu'homme. D'accord? Il a vécu en tant qu'homme. Et il a vécu pendant 33 ans, non en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Et il a dû adapter son langage aux hommes au milieu desquels il vivait. Voilà. Donc, qu'il ait utilisé le mot hasard ne doit en aucun cas nous choquer, parce qu'il a vécu en tant qu'homme. Et au milieu des hommes, eh ben, nous avons, en tant qu'hommes, bien sûr, beaucoup de hasard. Mais si nous voulons être dans l'esprit, nous savons que tout est arrêté d'avance. Exactement. Voilà. Gloire à Dieu. Ok. Bon courage, frère. Merci. Bon courage. Que Dieu soit béni. Voilà, donc c'est une très bonne question. Et voilà, il faut l'équilibre. Hein. Donc il y a le côté spirituel des choses, il y a aussi le côté physique. Voilà, donc que Dieu soit béni. Et quand on dit qu'on s'est retrouvé quelque part par hasard, c'est qu'à la base, on ne voulait pas se trouver là. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Parce qu'à la base, ce n'était pas prévu qu'on se retrouve là, même si c'était prévu par Dieu, mais sur le plan humain, cela n'était pas prévu. Hein. Donc voilà, et que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Donc nous sommes toujours sur, n'est-ce pas, 2 Chroniques 7:14. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je l'exaucerai, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quand Dieu pardonne nos péchés, une fois que nous sommes pardonnés, Dieu nous guérit. Comme il est dit dans la Psaume 103, il dit, je suis Yahweh qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il n'y a pas une seule maladie que Dieu ne puisse guérir au nom de Yeshua, frère. Oui, nous voyons ce Dieu guérir de plus en plus de malades, mais au préalable, il nous pardonne. C'est pour cela que Yeshua sur la croix a prononcé cette toute première parole sur les 7 paroles prononcées à la croix. Et la première de ces paroles, c'était, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, donc, il est question du peuple de Yahweh. N'est-ce pas? Dieu promet à son peuple de guérir, n'est-ce pas, leur nation. Et mes amis, c'est pour cela que nous devons être des hommes et des femmes spirituels, priant dans l'esprit pour que le Seigneur guérisse nos cœurs, nos assemblées, nos foyers, en commençant par le commencement, c'est-à-dire la repentance, la conversion. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Frère Chura. Oui, c'est John de Lyon. Je voudrais vous poser des questions, avoir quelques éclaircissements, s'il vous plaît. D'accord. Alors, la première question, je crois que c'est dans les titres du Juif où il est question d'un péché qui mène à la mort et qu'il y a d'autres péchés qui ne mènent pas à la mort. Et je voudrais savoir si ce péché, ça concerne le péché impardonnable qui est le blasphème contre le Saint-Esprit ou si c'est autre chose. En fait, tu as vu juste le péché qui mène à la mort. Nous savons que de manière globale, hein, globalement, tous les péchés mènent à la mort. Et quand Jean disait qu'il y a un péché qui mène à la mort, donc il mettait l'accent en fait sur le blasphème contre le Saint-Esprit, qui est un péché impardonnable. Et qui, quand on le commet, on est automatiquement condamné et voué, bien sûr, à la damnation éternelle. Voilà, donc il est question du blasphème contre le Saint-Esprit, tout simplement. Et la deuxième question, c'est Paul qui, dans ses enseignements, quand il a évangélisé, disait que l'évangile a été caché à tous les prophètes avant Jésus-Christ, qu'ils ont cherché dans les Écritures pour connaître ce mystère.
c'est que le fait que le Saint-Esprit habite en nous, ça n'avait pas été le cas de tous les prophètes, puisque Jésus-Christ, donc, n'était pas mort. Donc, je voulais savoir, Moïse, et Jean-Baptiste, tous ces grands hommes de Dieu qui ont précédé Jésus-Christ, s'ils avaient le Saint-Esprit en eux ou s'ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Puisque la parole nous dit que seulement quand Jésus-Christ est monté au ciel et que le Saint-Esprit est descendu, que seulement nous, si le confessons, avons le Saint-Esprit en nous. Donc, nous allons lire un passage dans, dans 1 Pierre chapitre 1er au verset 10. Et les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était destinée ou réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui était au-dedans d'eux. Voilà, donc les prophètes qui ont été envoyés par le Seigneur avant Christ, ils avaient l'Esprit en eux, pas seulement sur eux. L'Esprit de Dieu était en eux, dans leur cœur. Parce qu'il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un ne peut pas parler des choses célestes, des choses divines, des choses de Dieu, n'est-ce pas, si son cœur n'est pas au préalable rempli par ces choses, n'est-ce pas, par Dieu. Donc, voilà, donc ces prophètes qui parlaient de la part de Dieu, ils parlaient des choses qui venaient profondément du ciel et que Dieu avait déposé au préalable dans leur cœur. Donc, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Voilà. Merci. Voilà, mes amis, que Dieu soit béni. Et Dieu veut guérir nos nations et on a vu que les feuilles de l'arbre de vie sont utilisées pour la restauration des nations, comme un remède pour nous guérir, nous soigner. Eh bien, ceux qui veulent la guérison de l'âme, la guérison de leur quartier, la guérison de leur famille, de leur couple, ben, sont invités non à aller voir des hommes, ni moi qui vous parle, mais à aller devant Dieu, chez eux, à la maison, dans la prière. Et comme le Seigneur le dit, hein, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, donc il faut que nous invoquions le nom de Yahweh. Voilà, pour prétendre, n'est-ce pas, se prétendre à la guérison, pour recevoir la santé spirituelle, n'est-ce pas, pour être restauré, pour que nos membres soient restaurés. Si nous sommes restaurés, nous allons pouvoir, bien sûr, restaurer les autres. Que Dieu nous garde, que Dieu nous sauve. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ligne, Benoît. Ok. Dieu est bon, frères et sœurs. Donc ce soir, c'était juste pour nous exhorter, n'est-ce pas. On est actuellement en plein travaux, comme je vous ai dit, hein, donc de la révision. On a presque fini. Et d'ici jeudi, on envoie tout chez l'imprimeur. Merci au Seigneur, notre Dieu, au Dieu Tout-Puissant. Merci à notre Père Céleste. Merci à vous tous qui nous avez soutenus dans la prière, par des conseils. Et, vous avez été nombreux et vous êtes encore nombreux aujourd'hui à prier pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Pensez à nous dans vos prières chaque fois que vous priez, priez pour nous. Et nous essayons de travailler avec beaucoup de force, beaucoup de joie et pour que le nom de Yeshua soit glorifié et que les âmes soient libérées. Deux choses seulement nous animent. La première, c'est de voir Dieu glorifié, magnifié, exalté. La deuxième, c'est de voir les hommes libérés du péché, libérés de la religion, libérés de la chair, libérés des démons, n'est-ce pas, libéré de la fausse conception de choses divines et le voir servir Dieu pleinement. Voilà, libéré des hommes également qui veulent les contrôler. Et je tenais aussi ce soir, et je tiens à le signifier, à encourager tous les pasteurs qui aiment la vérité, tous les prédicateurs, il y en a de plus en plus, qui sont touchés par la vérité, qui l'ont reçu dans leur cœur depuis des années, bien avant de nous connaître, et qui sont fortifiés, qui prennent courage, n'est-ce pas, qui prennent, n'est-ce pas, qui sont déterminés aujourd'hui à annoncer la vérité. Je tiens particulièrement à vous encourager à le faire, à vous préparer pour le retour de Yeshua. Le maître revient, mes amis, au nom de Yeshua. Vous
prophète, apôtre, docteur, évangéliste, diacre ancien, vous qui avez la charge des frères et sœurs du troupeau, vous qui aimez la vérité, vous qui, n'est-ce pas, êtes missionnaire dans les nations, vous qui voyagez ici et là pour répandre la parole, vous qui vous occupez des veuves, des étrangers, des orphelins, vous qui méditez la parole chaque jour, qui aspirez aux noces de l'agneau, au retour de Yeshua, au ciel. Mes amis, Yeshua est à la porte. Il nous a promis la guérison de nos nations, de nos cœurs, de nos enfants malades, de nos parents malades, de nos familles, vos femmes, vos hommes. Eh bien, Dieu est fidèle, il le fera. C'est pour cela que je voudrais encourager les prédicateurs ce soir, les frères et sœurs qui prêchent la parole, qui annoncent le retour de Yeshua, les pasteurs qui aiment la vérité. Il y en a quand même, il faut le souligner. Je tenais personnellement à vous encourager à ne pas baisser les bras, mes frères. Yeshua revient notre maître. Disons la vérité, prêchons la vérité. En Allemagne, dimanche, un frère est venu me voir pour me dire, il y a un évangéliste qui dirige une assemblée ici en Allemagne. Il combattait le message avant. Je lui ai partagé la parole, me disait ce frère. Il a accepté et il a commencé à dire que la dîme n'est pas d'actualité au sein de son assemblée. Il a enlevé la dîme et les gens donnent librement les offrandes. J'étais tellement touché par la conversion de cet évangéliste que je demandais à ce frère qu'on l'appelle afin de l'encourager. Et on a bien échangé. Et je tenais ce soir, s'il m'écoute cet évangéliste, à continuer à proclamer la vérité. Il y a des hommes qui dirigent des églises qui sont sincères. Il y en a très peu, mais il y en a. Et nous tenons à le dire pour que les frères et sœurs, mes amis, prient pour eux. N'est-ce pas? Donc, et je tiens à dire à ces hommes de continuer à prêcher la vérité, même si tout le monde vous rejette, comme cet évangéliste me disait hier, avant-hier, qu'il a été rejeté de tous ses amis pasteurs. Il faut aller de l'avant. Désirons, n'est-ce pas? Cherchons à plaire au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Méditons ce soir, Galates 1, 10. Que Dieu vous bénisse, au nom de Yeshua. Amen.